avec sénateur Yoel La Tortue qui a accusé président République Lan qui a fait répression toutes sortes sous opposition politique Lan, particulièrement lui-même, tentative pour te bouler FM Nyon dans les organes, journée madian, sénateur Latibonite Lan, longé doit directement sous président République Lan, il fait qu'on est depuis 10 jours environ, il y a un conteneur qui gagnait manger pour Pondezio qui bloquait dans le niveau droit de Malpass, alors que toutes conditions ont été remplies pour qu'Agaison soit capable d'arriver. N'a côté explication, sénateur Yoel La Tortue. N'a pas rappelé que des matières premières qui rentrent dans le conteneur, il y a manger qui rentre pour Lyon depuis environ 10 jours, et conteneur ça dans Malpass. Et le monde qui pour débarquer conteneur a arrivé avec chèque, n'a pas que yo pas jamais le recevoir pendant que l'autre conteneur a passé. Et en fin de compte, par rapport à conteneur ça qui l'autre bois, jusqu'à présent nous apprenons que doit n'en fermer parce que justement yo voulait quitter conteneur à l'autre bois. Yo connaît après environ quinzaine de jours tout manger a gâté. Et bien Jovenel Moïse décidé attaquer ferme là, c'est un bagage extraordinaire. Côté que vers 5h30, des bandits débarqués avec un bacolo 2 sous ferme la tortue. Et le bacolo le mouillon débarqué avec et bacolo 2. Nous t'ai venir apprendre que bacolo 2 ça c'est pour sénateur Ronnie Célestin et nous t'ai relé sénateur pour nous dire mais bacolo 2 là vient faire des ordres et bien dans ferme là. Et là, ça, il était intervenu pour le faire rentrer Bakolo de là. Mais bandit qui était sous Bakolo de là, en particulier Junior, il était pris Galilio, il était pris Zamio. Et là, ça, il était dit, on ne peut pas tolérer, c'est tolérer, on ne peut pas tolérer l'opposition dans les organes, dans Fermland, et qu'on va l'attaquer Fermland. Président République là continue à persister dans ERN en sa qui gagne avec annulation contrat énergétique yo procédé yo mettait en place pour capable aboutir à suppression contrat ça yo a gagne pile conséquences économiques pour pays d'après sénateur Yoel La Tortue pour sénateur Latibonite Lan ça qui puis bon, donc puis bon, formule là pourquoi il est là, c'est renégocier contrat ça yo puisque la permettre l'État haïtien économiser 60 millions de dollars chaque année. Yoel La Tortue. Gagner plusieurs lois, c'est pas simplement 87. Gagner la loi de 41, gagner la loi de 64, gagner le décret de 87 et gagner le décret de 2007. À chaque fois, dans le décret ça yo, il reprend le même thème là, c'est la DGI qui constitue la défense de l'État et moi te kazi la présence de l'État devant la justice tant en demandant qu'en défendant. Et nous-mêmes nous te dit déjà que pas gagner firme ça yo pas de aucune qualité pour représenter l'État, les firmes privées, c'est DGI qui pour faire. Et dans ce sens ça moi pensé que à n'importe quel moment que monsieur ça apparaît devant la justice qualité yo et bien a fait que yo pas tenu compte de yo. Et moi pense que son démagogie que Jovenel Moïse a fait par rapport à question firme électricité yo, puisque li te gagne meilleur moyen d'amen pour te renégocier contrat yo et permettre que le te joine cob pour te mettre réseau électrique là. Jodi a li prend et bien dans zobo li vini li pas ka gérer pays a li mette des firmes privées, mais en fin de compte moi pense que j'ai attaqué dossier l'état pour le perdre du cob et là l'état pour le perdre du cob là ça veut dire que nous parlons dans situation que au lieu que l'état te joigne cob pour te faire réseau l'état pour le perdre du cob parce que j'ai attaqué dossier li a gain fort peu de chance pour yo abouti alors que yo te gain en résolution sénat dans mer yo te gain accord et bien entrepreneur yo pour yo te renégocier contrat yo et pour yo te économiser 60 millions de dollars par année pour que dans deux années il ait fait une économie de 120 millions de dollars. Scoop 5 lettres comme radio. Scoop FM 107.7. Bonsoir Scoop FM 107.7 et www.scoopfmhaiti.com. Il fait
4h27 dans la capitale pays d'Haïti. L'autre dossier dans le journal là, Office national migration annoncé jeudi mercredi à yon ensemble mais il y prend dans l'idée pour permettre institution pi bien fonctionner et puis améliorer système accueil migrant yo pour exercice fiscal 2019-2020. Jean-Négo Bonheur Delva, directeur général Office national migration annoncé tout, il pral renforcer partenariat avec diverses institutions qui travaillent souterrain dans le domaine protection droit migrant yo. Monsieur Delva a continué pour le dire, ONM pral augmenter frais de transport pour rapatrier yo, élaborer yon formulaire accueil unique ba migrant yo, premier soin et puis renforcer capacité accueil santé hébergement office là. On côté en bout dans déclaration Jean-Nico Bonheur Delva dans micro Jean-Antoine. Sur les grands axes du plan d'action pour l'exercice fiscal 2019-2020. C'est ainsi que ensemble nous arrivons à entendre nous sous quatre points. D'abord, c'est le renforcement des capacités organisationnelles de l'ONM que nous avons gagné pour nous étaler tout à l'heure. Deuxièmement, c'est l'accueil des migrants haïtiens de retour forcé. Troisièmement, c'est la prévention de la migration irrégulière. Et quatrièmement, c'est le renforcement du partenariat. Du renforcement des capacités organisationnelles de l'ONM, nous disons clairement que ce volet a pour objectif d'améliorer la qualité des services offerts par l'institution. Pour ce faire, un ensemble de mesures sont envisagées. Celles-ci impliquent des dispositions pour renforcer les cadres normatifs, administratifs et techniques. Pour ça, qui a un rapport avec la question d'accueil des migrants de retour forcé, nous disons clairement que nous allons travailler pour l'augmentation des frais de transport pour les rapatrier ou les raccompagner à la frontière, compte tenu du coût de la vie. Deuxièmement, nous disons fort que nous prenons une attention particulière sur le traitement au cas par cas des rapatriés et déportés à besoins spéciaux. Là, nous parlons de timoun, nous parlons de femmes, nous parlons de personnes à mobilité réduite. Troisièmement, nous parlons de l'élaboration et l'application du formulaire d'accueil unique, ce que nous avons fait. Quatrièmement, c'est la disposition de fonds suffisants pour offrir des kits hygiéniques, plats chauds, faciliter la communication téléphonique du bénéficiaire avec sa famille, offrir un premier soin. Et puis, directeur général ONM, non, pas caché inquiétude li face à question barricade qui montait 17 rotés à tout côté dans le pays. D'après M. Delva, situation ça a gros conséquences sous fonctionnement mon dans le pays. Si tout si là-haut qui a un problème santé, et si là qui pral chercher la vie ou à rapatrier, cap chercher route la caillou, dans son sens, il encourage mon cap mettre barricade pour respecter droit l'autre mon yo gagné pour régler les affaires. Yo. Puisque nous accueillons Mounio, nous faisons prise en charge là pour le jour. Donc, travaillons pour qu'on finisse. Il faut que nous permettre que Mounsayo arrive à regagner demeure respective, à savoir zone natalio, côté où tu es sorti. Eh bien, par rapport à ce mouvement de barricade un peu partout sur nos routes, eh bien, en pile dans moun sa yo, vivent avec en pile difficulté, yo rencontrer en pile difficulté, yo confronter à en pile difficulté justement pour capable rentrer la caillou. Donc dans sens ça, en tant que coordonnateur général de l'ONM, n'a demandé à entité sa yo qui érigé barricade et qui empêchait que gagne libre circulation yo, pour capable comprendre que moun sa yo qui t'a chercher mieux être dans notre pays, c'est frère, c'est soeur. En pile fois, c'est maman, yo, c'est papa qui empêche de venir. C'est tonton qui empêche de venir dans le bloc li pour venir reprendre le travail, li, pour venir reprendre l'activité. En un mot, c'est tête ou que ou emprisonné. C'est tête ou encore que vous barricadez. Donc, dans ce sens-là, nous demandons à ce que l'entité ça arrive à comprendre la nécessité pour libérer le passage là, pour permettre que Mounio capable de retourner la caillou comme ça doit.
Et moment arrivé pour nous capable parler l'autre cause, mais tout d'abord, on dit que gagnons dernier moniteur qui sortit, il n'a pas information ça en vrac qui chita sous question salaire minimum qui arrêté ça lui-même qui fixe ses prix salaire minimum spécialement pour monde qui a travail dans industrie sous très tension. Donc dans la prochaine édition sur Radio Anabgain pour nous venir avec prix pour tout secteur qui a travail dans domaine si là au Scoop FM 107.7 et www.scoopfmhaiti.com. En étant rapidement, n'importe où Prince, l'y fait 31 degrés, Washington 16, 27 pour Bangkok, Sanaa 11, avec sénateur Yuri La Tortue, qui a accusé président républicain, qui a fait répression toutes sortes sous opposition politique, là, particulièrement lui-même, tentative pour te bouler et féminin. Dans les organes, journée madian, sénateur la Tibonite Lan, longé doit directement sous président République Lan. Les faits qu'on a depuis 10 jours environ, il y a un conteneur qui gagnait manger pour Pondezio, qui bloquait dans le niveau droit de Malpasse, alors que toutes conditions ont été remplies pour qu'Agaison soit capable d'arriver. N'a pas côté explication, sénateur Yuri La Tortue. N'a pas rappelé qu'il y a des matières premières qui rentrent dans le conteneur, il y a manger qui rentrent pour. Pour lui, depuis environ 10 jours, et continue ça à aller dans Malpasse. Et le monde qui peut débarquer continue à arriver avec chèque, n'a pas que, il va jamais le recevoir pendant que l'autre continue à passer. Et en fin de compte, par rapport à continue ça à qui l'autre boit, jusqu'à présent, nous apprenons que doit nous fermer parce que justement, il voulait quitter continue à l'autre boit. Yo connais après environ quinzaine de jours tout manger a gâté. Eh bien Jovenel Moïse décidé attaquer ferme là, c'est un bagage extraordinaire. Côté que vers 5h30 des bandits débarquaient avec un bacolo de sous ferme la tortue. Et le bacolo le mouillon débarqué avec et bacolo de nous t'es vin apprendre que bacolo de ça c'est pour sénateur Ouni Célestin et nous t'es relé sénateur pour nous dire il mais Bakolo de la vin fait des ordres, eh bien, dans la ferme. Et là, ça, il était intervenu pour te faire rentrer Bakolo de là. Mais bandit qui était sous Bakolo de là, en particulier Junior, il était pris Galilio, il était pris Zamio. Et là, ça, il était dit, on ne peut pas tolérer, c'est tolérer, on ne peut pas tolérer l'opposition dans les organes, dans la ferme, et qu'on va l'attaquer la ferme. Président républicain continue à persister dans ERN en sa qui gagne avec annulation contrat énergétique pour se dit yo mettait en place pour capable aboutir à suppression contrat ça yo a gagne pile conséquence économique pour pays d'après sénateur Yuri La Tortue pour sénateur la Tibonite Lan ça qui puis bon, donc puis bon, formule là pourquoi il est là, c'est renégocier contrat SAIO puisque la permettre l'État haïtien économiser 60 millions de dollars chaque année. Yuri La Tortue. Gagner plusieurs lois, c'est pas simplement